أعزائي طلاب وطالبات الصف الحادي عشر أدبي، أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من حلقات اللغة الفرنسية. اليوم سوف نتابع الملف العاشر وسوف نتناول القواعد وتصريفه في المستقبل. كل ذلك ولكن بعد فاصل قصير. أهلاً بكم من جديد. Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va continuer avec le dossier 10 et la grammaire. On va voir aujourd'hui le futur simple. Observez bien l'image. Aujourd'hui, c'est le mardi 13 mai. Aujourd'hui, c'est le présent. Donc, aujourd'hui, c'est le mardi 13 mai. Observez bien, 13 mai. Demain. Demain, c'est le mercredi. Ça sera mercredi, 14 mai. Demain, c'est quel temps? Demain. On parle de futur. Demain, ça sera mercredi, 14 mai. Après-demain, ça sera le jeudi, 15 mai. Après-demain, c'est le futur aussi. Donc, le futur, c'est après-demain, ça sera le 15 mai. Ce mois-ci, c'est le mois de mai. Ce mois-ci, c'est le présent. Donc, c'est le mois de mai. Le mois prochain, on parle de mois. Le mois prochain, ça sera le mois de juin. Donc, c'est le futur. Le mois prochain, ça nous indique le futur, le prochain. Observez bien l'image. Cette année, on parle de l'année. Cette année, c'est 2014. Donc, cette année, c'est l'indicateur de temps de présent. On parle de maintenant, de cette année. Comme vous voyez, c'est 2014. Mais l'année prochaine, donc prochain, ça nous indique le futur. L'année prochaine, ça sera 2015. C'est le futur. Observez bien la phrase. Aujourd'hui, je visite mon ami. C'est dans quel temps? On parle de quel temps? Est-ce qu'on parle de présent? Est-ce qu'on parle de futur? Ou est-ce qu'on parle de passé composé? De passé. Bien sûr, aujourd'hui, c'est un indicateur de temps de présent. Donc, on parle de présent. Observez bien la phrase. Où se trouve le sujet? Et le verbe? Et le complément de cette phrase? Comme vous voyez, je, c'est le sujet de la phrase. Et le verbe, bien sûr, c'est visite. Je visite. Visite, c'est le verbe. Et le complément, bien sûr, mon ami. Donc, nous avons une phrase complète d'indicateur de temps au présent. Le sujet de la phrase, le verbe et le complément. Donc, toute cette phrase, c'est une phrase dans quel temps? Le présent. Observez bien maintenant cette phrase. Hier, j'ai visité ma grand-mère. C'est une phrase dans quel temps? Est-ce que c'est une phrase au présent, comme on dit aujourd'hui? Bien sûr, non. Est-ce que c'est une phrase au futur? Bien sûr, non. C'est une phrase au passé. Pourquoi? Parce que nous avons l'indicateur de temps hier. Donc, hier, c'est un indicateur de temps de passé. Très bien. Observez bien cette phrase aussi. Où se trouve le sujet? Le verbe et le complément. Quand vous voyez, j'ai apostrophe, c'est le sujet de la phrase. Et le verbe, bien sûr, est visité. C'est un verbe au passé composé indiqué de deux parties. Auxiliaire et le participe passé. Très bien. Et le complément, bien sûr, ma grand-mère. Donc, là, c'est une phrase au passé, on l'appelle passé composé. Très bien. Maintenant, observez bien cette phrase. Demain, je visiterai le musée.
Où se trouve l'indicateur de temps? Bien sûr, demain. Demain, c'est un indicateur de temps. Mais est-ce que c'est un temps au présent? Bien sûr, non. Est-ce que c'est un indicateur de temps de passé? Bien sûr, non. Donc, demain, c'est un indicateur de temps de futur. Donc, cette phrase, on parle de futur. Demain. Donc, c'est le futur. Trouvez-moi le sujet de cette phrase, le verbe et le complément. Bien sûr, le sujet, c'est je, parce que je parle de moi. Demain, je. Le verbe, c'est visiterai. Donc, je visiterai. Le verbe visiterai, c'est un verbe au futur. Pourquoi? Parce qu'il y a l'indicateur demain. Et le complément, bien sûr, le musée. Donc, cette phrase, c'est une phrase dans le futur et on l'appelle futur simple. Demain, je visiterai le musée. Aujourd'hui, jeudi, 8 mai. C'est quel temps? Aujourd'hui, c'est 8 mai. Bien sûr, très bien. C'est au présent. Très bien. Hier, mercredi, 7 mai. Est-ce que c'est au présent? Bien sûr, non. Hier, très bien. C'est le passé. Demain. Demain, ça sera vendredi, le 8 mai. Demain. Est-ce que c'est au présent? Passé? Bien sûr, demain indique le futur. Donc aujourd'hui, nous allons étudier le futur simple. Observez bien cette phrase. Demain, je visiterai le musée. Demain, c'est un indicateur de temps de futur. Donc demain, c'est le futur. Le sujet de cette phrase, bien sûr, c'est « je ». Le verbe « visiterai », c'est un verbe au futur. Et le musée, c'est le complément. Comme vous voyez, « visiterai », c'est un verbe conjugué au futur. L'infinitif de ce verbe, c'est « visiter ». Donc, comme vous voyez, « visiter », c'est un verbe de premier groupe qui se termine par « er ». Donc, je dis, j'utilise ces verbes, je conjugue ce verbe au futur, ça devient « visiterai ». Très bien. Donc, je rajoute, je prends le verbe à l'infinitif et je rajoute la terminaison du sujet parce que le sujet, c'est « je ». Le verbe devient « visiterai ».« Visiterai ». Très bien. Un autre exemple, « je prendrai le bus ». Le sujet, c'est « je ». Le verbe à l'infinitif, comme vous voyez, c'est le verbe « prendre ». Mais observez bien que le verbe « prendre » à l'infinitif se termine par « e ». Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On enlève le « e » pour avoir le « r » tout seul. Et qu'est-ce qu'on fait après? On rajoute la terminaison du sujet « je », par exemple. Donc, je dirais « je prendrai » le verbe à l'infinitif plus le « est » terminaison de verbe. Mais faites attention pour le verbe de troisième groupe, par exemple le verbe « prendre ». Observez bien cette phrase. « Demain, je visiterai » donc ça devient « visiterai » le verbe à l'infinitif plus la terminaison « est ». Pourquoi? Parce que le sujet est « je ». Demain, je visiterai Paris. Très bien. Donc, l'infinitif plus les terminaisons. Faites attention que les terminaisons « est », « a » avec « s »,« a », « en », « est » et « on », « ont ». La terminaison, ça dépend selon le sujet de la phrase. Donc là, par exemple, j'ai le sujet « je » et je conjugue le verbe « visiter », ça devient « je visiterai ». Très bien. Je change le sujet. Maintenant, on va conjuguer le verbe avec le sujet « tu ». Réfléchissez bien.
comment on peut conjuguer le verbe visiter avec te? Te, c'est le sujet. Le verbe visiter. Donc, le verbe visiter, c'est un verbe. On le met à l'infinitif plus la terminaison convenable au sujet te. Donc, le verbe devient demain te visitera. Très bien. Il et elle et on. Donc, on ne veut plus de sujet te. On change le sujet, on choisit il, singulier, masculin, elle, singulier, féminin, ou on peut mettre le on. Réfléchissez bien, comment je peux conjuguer le verbe visiter? N'oubliez pas, le verbe à l'infinitif, visiter, er à la fin, plus la terminaison convenable au sujet. Donc, on va voir demain. Elle visitera. Pourquoi A? Parce que le sujet, il, elle, singulier et on. Très bien. Maintenant, on conjugue le verbe avec le sujet nous. Très bien. Nous plus le verbe à l'infinitif plus la terminaison convenable. Donc, on va voir très bien. Demain, nous visiterons. Demain, nous visiterons. Très bien. Vous, maintenant, on passe au sujet vous. Vous, quand je parle au pluriel. N'oubliez pas, comme d'habitude, sujet, le verbe à l'infinitif, plus la terminaison convenable. Maintenant, la terminaison doit être convenable au sujet vous. Donc, la phrase sera « Demain, vous visiterez. » Très bien. Demain, vous visiterez Paris, par exemple. Très bien. On passe maintenant au sujet « il ». C'est un sujet masculin pluriel, parce qu'il y a le « s ». « Elle », féminin pluriel avec « s ». Donc, on conjugue le verbe « visiter » selon ses sujets. On va voir comme phrase, bien sûr. « Demain, ils visiteront ». Faites attention que la terminaison de futur pour il pluriel et elle pluriel, ça sera ONT. Donc la phrase sera demain ils visiteront Paris ou demain elles visiteront Paris. La formation de futur simple. Donc c'est le verbe. N'oubliez pas, le verbe à l'infinitif. Par exemple, le premier groupe qui se termine avec « er ». Exemple comme verbe « voyager »,« parler »,« fermer »,« monter ». Donc, voilà quelques exemples de verbes de premier groupe. Donc, ces verbes, on garde l'infinitif de ces verbes de premier groupe et on rajoute les terminaisons. Exemple, je voyagerai. Parler devient tu, te parleras. Le verbe fermer la porte, par exemple, avec le sujet il singulier, il fermera. Très bien. Elle, singulier féminin, elle montera la terminaison a. Très bien. Nous, nous parlerons. Vous, vous mangerez. Ils, pluriel, ils passeront. Très bien. Donc, comme vous voyez cette phrase, demain, je finirai mes devoirs. Donc, le verbe finir, c'est un verbe de deuxième groupe qui se termine par « ir ». Donc, je garde l'infinitif et je mets la terminaison. Donc, l'infinitif du verbe « finir » plus les terminaisons. Maintenant, on change le sujet, ça devient « tu ».« Tu » plus le verbe à l'infinitif, le verbe « finir » plus la terminaison convenable au sujet « tu ». Très bien, ça devient « demain, tu finiras mes devoirs ». Il, singulier, masculin, et elle,
singulier, féminin et le sujet « en ». Comment je conjugue le verbe « finir » Très bien, je garde le sujet. Je prends le verbe à l'infinitif « finir » qui se termine par « ir » plus la terminaison convenable. La phrase devient « demain, elle finira ». Nous, c'est le sujet de la phrase. Conjuguez le verbe « finir » selon le sujet « nous ». Très bien. Demain, nous finirons. Le verbe à l'infinitif plus la terminaison « en » ou « ns ». Pourquoi ? Parce que nous avons le sujet « nous ». Maintenant, on passe au sujet « vous ». Vous finirez. Très bien. Vous finirez. Donc, la phrase « demain, vous finirez ». Maintenant, il pluriel et elle pluriel. Conjuguez le verbe finir selon ses sujets. Très bien, la phrase devient demain ils finiront. O-N-T. Ou demain elles finiront. Au féminin. Très bien. Donc, la règle, elle dit que l'infinitif, par exemple, de troisième groupe, exemple, le verbe « prendre » se termine par « re », donc il y a un « e » à la fin, à l'infinitif. Exemple, « prendre »,« dire »,« lire »,« écrire ». Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Le « e », on efface le « e » à la fin du verbe à l'infinitif. Et ça devient, on met les terminaisons, donc « je prendrai ». J'ai enlevé le « e » et j'ai mis la terminaison « et ». Pourquoi ? Parce que j'ai le sujet « je ». Le verbe « dire » devient « tu diras ». J'ai enlevé le « e », j'ai rajouté la terminaison « a » à « s » parce que le sujet est « tu ». Le verbe « lire » à l'infinitif, j'ai enlevé le « e » et j'ai rajouté la terminaison convenable à « il ». Donc, le verbe devient « il lira ». Et à la fin, le verbe « écrire ». J'ai enlevé le « e » à la fin du verbe à l'infinitif et j'ai mis la terminaison convenable au sujet « elle » singulier. Donc, le verbe est conjugué devient « elle écrira ». Très bien. On continue. Les mêmes verbes de troisième groupe, verbe prendre, dire, lire et écrire. On les conjugue avec nous. Donc le verbe prendre devient nous prendrons. Vous direz. Ils liront. Elles écriront. Très bien. La formation de futur simple. Donc, le verbe à l'infinitif plus les terminaisons selon le sujet. Exemple, verbe aimer, j'aimerais, tu aimeras, il aimera et d'autres. Finir, je finirai, tu finiras, il finira. Verbe partir, je partirai, tu partiras, il partira. Les verbes de premier groupe ER, deuxième groupe IR et le troisième groupe RE et E. Donc faites attention, on enlève et on met les terminaisons. Donc faites attention, les verbes de premier groupe et deuxième groupe, je garde l'infinitif plus les terminaisons. Mais les verbes de troisième groupe qui se terminent par RE, j'enlève le « e » et je mets la terminaison. Exemple, verbe « prendre », « je prendrai », « tu prendras », « il prendra ». Verbe « dire », « je dirai », « tu diras », « il dira ». L'infinitif plus les terminaisons, comme vous voyez. Exemple, on va voir d'autres verbes. Regardez, je regarderai. Demandez, tu demanderas. Emmener, il emmenera. Aimer, elle aimera.
Finir, nous finirons. Choisir, vous choisirez. Partir, ils partiront. Les verbes irréguliers. Faites attention. Verbe être, c'est le verbe à l'infinitif. Le futur de ce verbe, ça sera sur. Le verbe avoir, l'infinitif, le futur, ça sera our. Venir devient viendre. Plus le verbe aller, ir. Faire, faire. Voir, voir. Pouvoir, pour. Vouloir, voudre. Envoyer, envers. Donc, ce sont des verbes irréguliers. Je change le verbe de l'infinitif au futur plus les terminaisons convenables au sujet. Exemple, verbe être, ça sera avec je serai. Avoir, j'aurai. Donc, radical plus terminaison. Aller, le verbe aller à l'infinitif, ça sera j'irai. Ir, radical, et terminaison. Le verbe faire devient je ferai, radical plus terminaison. Venir, je viendrai, radical, terminaison. Vouloir, je voudrais, radical plus terminaison. Donc, voilà les verbes irréguliers. Le futur simple, il y a toujours des indicateurs de futur. Exemple, demain. Quand vous voyez le mot demain, c'est le futur. Et autre indicateur, nous avons la semaine prochaine. C'est l'indicateur de futur. Le mois prochain. Dans 2-3 jours. En 2020, c'est le futur. Prochainement, c'est un indicateur de futur. Et bientôt, c'est un indicateur. Donc voilà les indicateurs de futur. Maintenant, on passe au cahier d'activité. Ouvrez page 125 et on va commencer les exercices. A. Tu mets les verbes entre parenthèses au futur simple. Donc, on doit conjuguer les verbes entre parenthèses au futur. 1. Les camarades des excursions. Faire, c'est un verbe irrégulier. Donc, les camarades, les sujets, sujet au pluriel, donc ça veut dire ils, les camarades feront. Très bien, donc la terminaison ont. Quel modèle vous, verbe prendre. Très bien, quel modèle vous prendrez. 3. Qu'ont-ils de Dubaï. Prochainement. Revenir. On doit conjuguer le verbe revenir avec quel sujet? Bien sûr, il singulier. Donc la phrase devient quand viendra-t-il de Dubaï? Prochainement. 4. Quel jour je avoir cette réservation? Dimanche prochain. On conjugue le verbe pouvoir. Donc, quel jour je pourrai avoir cette réservation dimanche prochain. 5. Vous, une belle chanson dans quelques minutes. Le verbe écouter. La phrase devient vous écouterez une belle chanson dans quelques minutes. 6. L'année prochaine, je en France. Le verbe étudier. La réponse, ça sera l'année prochaine, j'étudierai en France. Tu complètes avec la terminaison de futur simple. Demain, j'irai chez le médecin. Donc, le verbe, le radical, c'est ir. On va mettre la terminaison est. Pourquoi? Parce que le sujet je. La phrase devient demain, j'irai chez le médecin. Il prendre. Le radical, quoi au déjeuner? Le sujet c'est
Il, singulier ou pluriel? Bien sûr, pluriel parce qu'il y a le S. Donc, la terminaison devient prendront. Donc, le verbe sera prendront quoi au déjeuner. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. نراكم في حلقة قادمة بإذن الله. Merci et au revoir.